nouveau webinaire du Club Espoir consacré au transport maritime et aérien. Et surtout, nous allons essayer de faire un état des lieux aujourd'hui, surtout dans cette période particulière de la crise de la Covid-19, et voir comment on peut structurer une meilleure offre, donc combinant de l'aérien et du maritime, mais comment on peut mieux répondre aux besoins des opérateurs économiques de la zone et en particulier aux exportateurs de la Réunion. Donc très rapidement, je vais vous présenter nos quatre intervenants qui représentent à la fois le secteur maritime, le secteur aérien et aussi les infrastructures, très importantes évidemment dans ce domaine. Donc tout de suite à ma droite, Monsieur Willy Etève, donc est directeur de la division développement et relations clients à l'aéroport Roland-Garros. Donc il est connu pour avoir été longtemps directeur général de l'IRT, l'organisme de promotion du tourisme, donc une grande expérience de 10 ans dans le tourisme. Il est membre du comité exécutif de l'aéroport Réunion Roland-Garros depuis 1918 et il pilote les directions marketing, commercial et fret de l'aéroport. Il est chargé du développement aéronautique, donc développement des routes, donc c'est très intéressant pour notre sujet, et extra-aéronautique et de la structuration de la filière aéronautique dans l'océan Indien. Donc juste en 2-3 mots, si vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre mission et vos objectifs. Oui, merci. Merci Alain. Peut-être juste un petit correctif. Hein. En poste depuis 2018 et non pas 1918. Excusez-moi. Les missions principales que j'exerce au sein de l'aéroport sont donc d'abord de développer les activités extra-aéronautiques, donc les activités à vocation commerciale. Vous savez que les taxes aéroportuaires sont un sujet qui sont importants et pour diminuer les taxes de passagers, on travaille beaucoup sur la diversification des revenus pour ne pas non plus faire peser les taxes aéroportuaires auprès des compagnies. Le fret est bien entendu un sujet phare également, avec cette spécificité, c'est que l'aéroport Réunion-Roland-Garros est l'un des seuls aéroports français à continuer à piloter le fret. Et on l'a vu pendant la crise Gilets jaunes et encore aujourd'hui pendant le Covid, cette notion de service public est extrêmement importante. Merci Willy Etève. Nous allons rester dans l'aérien et je vais donner la parole à Monsieur Jean-Marc Grazzini, donc qui est administrateur du Club Export, mais qui aujourd'hui représente surtout Air Austral, dont il est directeur général adjoint, chargé plus particulièrement du commercial. Donc c'est un monsieur qui a fait une très longue carrière dans l'aérien, qui connaît son sujet puisqu'il y a près de 35 ans qu'il a débuté sa carrière. Et je vais laisser nous donner 2-3 mots sur ce parcours et aujourd'hui sur son job à Air Austral. Bonjour tout le monde. De manière très succincte, j'ai débuté ma carrière chez UTA, qui était une compagnie aérienne privée, dans le fret d'ailleurs. J'y suis resté 5 ans. J'ai travaillé après pour United Airlines pendant 17 ans, où j'ai occupé diverses fonctions de direction marketing, direction générale, dans plusieurs pays en Europe. Et les dernières 7 années dans cette compagnie américaine, je les ai passées à New York, en charge de la direction des grands comptes qui était basée à New York et j'ai fini même ma carrière chez United avec la responsabilité commerciale de toute la région Est des États-Unis. Je suis chez Air Austral depuis 12 ans maintenant et j'ai la responsabilité donc des affaires commerciales de la compagnie, passage et fret. Pour aller à l'essentiel, je suis responsable donc de la recette, du revenu de la compagnie, donc des budgets évidemment, et de tous les services annexes d'une direction commerciale, c'est-à-dire call center, marketing, distribution, internet, enfin vente internet online, etc. etc. Voilà. Merci Jean-Marc. Donc maintenant Monsieur Henri Dupuis, donc qui est directeur d'exploitation commerce, du Grand Port Maritime de la Réunion. Donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail. Oui, donc en fait je chapeaute au sein du Grand Port Maritime toute l'exploitation du port, à savoir que le Grand Port Maritime comme est à la fois un gestionnaire d'infrastructures et aussi un prestataire de services. Vous avez dû remarquer, nous percevons nos recettes, nous percevons des droits de port pour le passage de la marchandise par notre port, mais nous sommes aussi prestataire de services, à savoir que le Grand Port gère les terminaux à sucre, céréales, loue les portiques, décharge les hydrocarbures, assure la sécurité incendie. Ça, c'est pour mon volet opérationnel et j'ai le grand plaisir également de chapeauter tout le pôle commercial et marketing, donc au sens large, la promotion du Grand Port Maritime à l'intérieur et à l'étranger.
Très bien. Et pour finir, notre quatrième intervenant, Monsieur Christophe Debousse, donc qui a créé, qui a fondé et qui dirige Sea Logger, une compagnie donc maritime, mais aussi qui vise à faire de l'aérien. Il nous en dira deux mots tout à l'heure, enfin plusieurs mots même. Et donc, il a une longue expérience de maritime. Il a été notamment 7 ans directeur régional de Maersk dans l'océan Indien. Donc voilà, si vous pouvez nous dire deux, trois mots sur votre entreprise, très, très rapidement. Et... Oui, merci. Merci Alain. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai passé dans le domaine du maritime, aussi dans le domaine du développement régional, notamment quand j'étais en Normandie, ma région natale. Et je me suis toujours intéressé aux questions de développement régional et en particulier en gardant de près la question du développement de l'océan Indien et des trafics. Bon voilà, j'ai imaginé qu'il fallait peut-être reconsidérer la manière peut-être dont on pouvait apporter un service aux chargeurs, aux exportateurs et en collaboration bien sûr avec les compagnies maritimes existantes. Je n'envisage pas d'acheter un avion et d'opérer une compagnie concurrente d'Air Austral, mais par contre de trouver des combinaisons dont je parlerai tout à l'heure. Merci Christophe. Donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui donc de la Réunion depuis maintenant 8 ou 9 mois même quasiment est frappée par une crise exceptionnelle donc d'ampleur historique et évidemment le secteur aérien était le premier touché. Donc je demanderai aujourd'hui à monsieur Jean-Marc Grazini de nous faire un peu un état des lieux aujourd'hui de cette crise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne pour Air Austral? Alors, au-delà d'Air Austral, je pense que c'est à peu près le lot commun de toutes les compagnies aériennes. On est dans un environnement qui est inédit et qui a pour caractéristique aujourd'hui d'être complètement incertain parce que imprévisible. Et on le voit à travers les mesures diverses et variées qui évoluent en fonction de la gestion, non du virus, mais des capacités hospitalières. D'accord, parce que c'est ça dont il s'agit vraiment. Et donc nous, on subit un contexte qui nous est imposé, qui est fait de multiples contraintes et qui a un effet extrêmement fort sur notre activité. Quand je dis extrêmement fort, c'est que les chiffres d'affaires des compagnies, en gros, sont au moins réduits de moitié sur une année. Donc nous avons affaire à un impact qui maintenant n'est plus temporaire, puisque la crise a commencé, sanitaire, a commencé réellement depuis janvier, en fait depuis mars, mais les signes ont débuté en janvier, ça fait donc presque près de 11 mois, et on voit très bien que, comme dirait la pub, c'est pas fini. Dans ce contexte-là, on utilise bien sûr toutes les mesures qui sont à notre disposition, c'est-à-dire... PGE, 1, 2, 3, chômage partiel et surtout une attention très particulière à l'ajustement de nos capacités à la demande. Et cette demande baisse en fonction du renforcement des mesures sanitaires, bien évidemment. Dès que vous mettez des motifs impérieux de voyage, il y a un effet immédiat sur la demande. Et donc nous, on ajuste notre programme opérationnel en fonction de cette demande pour essayer de ne pas voler à vide, ça c'est important, et donc de ne pas brûler du cash inutilement. Donc voilà un petit peu la situation d'Air Austral, mais au-delà d'Air Austral, je pense que ce sont toutes les compagnies aériennes qui sont, on va dire, dans le même bateau, hein, par respect pour mon collègue du maritime, et donc on est aujourd'hui dans cette dynamique. Et on essaye de coller au plus près de l'activité en dimensionnant les moyens au plus près de cette activité parce que ne pas faire ça serait suicidaire. Alors donc vous avez été touché surtout principalement sur le trafic passager évidemment puisque les déplacements étaient très limités. Est-ce que vous en avez profité pour développer un peu plus votre offre en matière de fret puisque le fret continuait à pouvoir être en activité? Est-ce que la crise vous a permis... Alors, tout à fait. C'est une excellente question parce que oui, l'activité passage a été touchée de plein fouet, bien évidemment. L'activité fret aussi, mais dans une bien moins grande
propension. Si j'ai bien en tête les chiffres, on est à moins 20% d'activité fret, alors que sur le passage, on est à moins 50, moins 60. D'accord ? Et donc, comme toujours, dans des situations de crise, il y a des opportunités. Et l'opportunité que l'on a eue, c'est par exemple de réfléchir à mieux utiliser nos avions pour l'activité fret. Et on a obtenu des dérogations de la part de notre autorité de tutelle, qui est l'aviation civile, pour effectuer des vols tout cargo en chargeant du fret en cabine passager. D'accord ? Donc voilà où cette crise a eu un effet, c'est de pousser un peu nos logiques pour essayer d'optimiser encore plus nos capacités pour l'activité fret. D'autres opportunités, ça a été aussi de vérifier qu'on avait de grandes synergies ou des synergies évidentes avec l'activité maritime. Par exemple, on a transporté beaucoup, et on continue à le faire, beaucoup de marins qui viennent en relais ici à La Réunion, puisque les ports de Maurice est pratiquement fermé, et donc les relèves d'équipage se font en grande partie à La Réunion. Troisième effet induit de cette crise, parce que la demande fret a continué à être soutenue, on a dû effectuer des vols tout cargo et on a eu l'opportunité d'expliquer aux exportateurs et aux importateurs que le tarif de fret qui existait sur un avion normal, il y avait des passagers et du fret, était peu ou prou souvent subventionné par l'activité passager. Quand on effectue des vols tout cargo, les prix de la rotation avion sont des prix vifs qu'il faut faire supporter entièrement l'activité fret. Donc on avait vu, les gens s'étaient étonnés, oui les prix augmentent, bien évidemment. On ne peut pas faire semblant que ces coûts n'existent pas. Donc il y a eu une éducation du marché qui, je crois, a été importante. C'est toujours important que le marché comprenne bien les dynamiques qui sont en train de se passer et qui vont nous servir puisqu'on est retombé dans une phase de confinement en métropole, pas à La Réunion, mais le confinement en métropole commence à avoir des effets forts sur la demande de trafic passager et on voit bien qu'il y a une pression maintenant sur les capacités fret puisque les compagnies ont révisé leur programme en la battant, bien évidemment, et donc il y a moins de capacité fret, et on revient maintenant à des demandes de vol tout cargo. Est-ce qu'on peut dire que la crise a mis à jour certains besoins qui n'étaient pas forcément satisfaits? Parce qu'on dit toujours que les crises, en fait, sont des accélérateurs aussi de tendance. On pourrait dire aussi qu'elles font peut-être qu'elles mettent à jour certains besoins pour développer justement les échanges commerciaux. Non, je crois que les besoins n'ont pas varié. Ils peuvent être exacerbés à certains moments parce qu'il y a une variable qui a évolué. En l'occurrence, c'est la capacité. C'est une variable importante, la capacité de fret. D'accord ? Mais ces besoins n'ont pas changé. Et si on tient compte de la saisonnalité qui existe, par exemple dans les exportations de La Réunion, on est en plein dans le début de la haute saison des exportations de fruits, par exemple, on voit bien que ces besoins sont encore plus exacerbés. Mais ça, c'est dû à la saisonnalité du trafic de fruits vers la métropole et d'autres pays. D'accord ? Mais il n'y a pas eu de nouveaux besoins, à ma connaissance, dans l'aérien. Ces besoins existaient déjà. Ils sont simplement mis en exergue dans des situations de crise parce que certaines variables évoluent. Est-ce que le fait que vous ayez moins de demandes sur le trafic passager vous permettra de proposer des avions cargo, d'affréter des avions cargo pour exporter les litchis, par exemple, en fin d'année? Parce que j'ai lu dans la presse qu'il y avait des problèmes de capacité pour exporter les litchis. Est-ce que Air Austral est en mesure de faire des propositions? Bien sûr. Il y a une réunion cet après-midi qui a été organisée par la préfecture à ce sujet avec les exportateurs de fruits et toutes les parties prenantes, à laquelle Air Austral va assister. Je vais y assister personnellement. Et on a la capacité, on l'a prouvé, on le fait, de déclencher des affrètements. Alors, je veux dire, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 72 heures. Hein, un peu plus, c'est mieux. Mais bon, on peut faire avec un délai de prévenance 72 heures. Ça, c'est des choses que l'on fait. Ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le même prix au kilo que sur un vol régulier, qui est en partie subventionné par les recettes passage qui existent sur ce vol. Sur un vol tout cargo, vous n'avez plus de recettes passage, et donc tous les coûts doivent être supportés par l'activité fret.
En tout cas, en termes de logistique, vous pouvez fournir un avion adapté. Bien sûr. Entièrement cargo. Quoi, tout à fait. On le fait, on l'a déjà fait et on va le faire. Nous sommes en attente d'un retour de clients pour déclencher certains affrètements. Bon, je ne vais pas les nommer par confidentialité, mais que ce soit des exportateurs de La Réunion ou des exportateurs de métropole, les gens sont en train d'étudier les cotations que l'on a faites et je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, on va commencer à annoncer les affrètements. Ça, c'est clair. Merci beaucoup pour cette information. Et je demanderai à M. Willy-Etev au niveau de l'aéroport. Bon, évidemment, l'aéroport a été touché par la crise, bien évidemment. Il a été fermé, je crois, pendant plusieurs mois. Et est-ce que la crise a révélé aussi des besoins qui n'étaient pas forcément satisfaits, notamment des besoins vers de nouvelles routes aériennes, puisque aujourd'hui, le trafic est entièrement tourné vers la France métropolitaine ou éventuellement vers la région proche? Effectivement, 60% du trafic est orienté sur la France métropolitaine et le reste sur le bassin océan Indien et la zone Indo-Pacifique. On a eu quand même l'occasion en avril-mai, alors que le confinement était généralisé. Bon, l'aéroport n'a pas vraiment été fermé. Il y avait des plages de fermeture, mais l'aéroport est toujours resté ouvert. On a une obligation de service public et il en allait de même pour le fret. Encore une fois, comme pour la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, les activités fret ont toujours fonctionné à tarif équivalent, bien entendu. Et on a eu l'opportunité d'accueillir des compagnies internationales qui ne s'étaient jamais posées sur le sol réunionnais, qui ont pu accompagner l'ensemble des opérateurs pour l'importation de produits, mais également pour l'exportation. Donc, quelles compagnies, par exemple? On a eu, par exemple, KLM, Kenya Airways, entre autres, qui sont venus de façon assez régulière sur La Réunion. Encore une fois, pendant cette période de confinement, où les compagnies régulières, et notamment Air Austral et Air France, qui étaient présentes tout au long de cette période, n'avaient pas forcément toujours les capacités pour l'import. On a eu quand même un peu de retard sur les mois de juillet et août, malgré tous les efforts qui ont été faits. Mais ces compagnies qui ont desservi La Réunion ont permis surtout de placer La Réunion sur la carte mondiale. Encore une fois, cette problématique de marketing territorial a été exacerbée à notre sens. Et on a eu cette opportunité, effectivement, d'accueillir de nouvelles compagnies. Maintenant, bien entendu, tout est une question de proportionnalité. Ces compagnies vont venir si le besoin est identifié, que ce soit en termes de passagers ou de fret. Là, le besoin est effectif et ponctuel. À nous de voir si nos capacités d'exportation, notamment, sont en ligne avec la venue de nouvelles compagnies. Et pour l'instant, vous n'avez pas accueilli Ethiopian Airlines? Alors, ils n'ont pas encore? Non, pas encore. Parce que c'est un hub important sur l'Afrique, notamment en fret. Vous avez deux hubs importants éthiopiens, mais même le Kenya, Nairobi, est un hub très important. Et on travaille en concertation également avec mon collègue d'Air Austral. Donc ce sont des pistes de partenariat qu'on a commencé à développer depuis quelques temps et qui continuera encore. Okay, merci beaucoup, M. Willy-Etev. Donc je me tourne vers le maritime, M. Henri Dupuis. Le port, le grand port maritime de La Réunion, comment a-t-il vécu cette crise? Écoutez, comme tout le monde, on l'a pris de plein fouet. Par contre, nous avons eu l'opportunité de réagir collectivement à cette crise, à savoir que nous avons très tôt mis en place des protocoles de distanciation de manière transversale sur l'ensemble des acteurs portuaires. Et ce qui a permis au port de rester pleinement ouvert pendant la phase critique du Covid-19. Et ce protocole et ce travail collectif s'accompagnait d'un maintien autant que faire se peut des plages de fonctionnement du port, des outillages, et à contrario des ports voisins qui, eux, pour plein d'autres raisons, n'ont pas pu rester au même niveau de prestation. Et paradoxalement, la crise du Covid-19, comme le dit Willy et Eve, nous a mis sur la carte du monde, nous a renforcés, paradoxalement, malgré que globalement les trafics domestiques et les trafics de transbordement ont quand même fortement chuté pendant une période. Mais nous sommes repartis sur une tendance qui est relativement bonne par rapport au reste du bassin. En termes de trafic, enfin de chiffre d'affaires, vous avez connu une baisse de qu'on peut chiffrer La baisse, en fonction des périodes, la baisse s'est chiffrée jusqu'à 25%. En septembre, on était en global à un petit peu moins de 10%.
Au jour d'aujourd'hui, on a quasiment rattrapé le trafic import. On n'a pas retrouvé le trafic de transbordement parce que le trafic de transbordement dépend des bassins de consommation qu'il sert. Hein, on reparlera peut-être plus tard du transbordement. Savoir qu'on sert de relais pour le fret d'autres pays. Et si ces pays sont fermés pour cause de Covid, eh bien, ce trafic, forcément, s'en ressent. Mais globalement, et puis l'export, par contre, n'a pas encore récupéré. Ça, c'est un sujet d'inquiétude. L'export reste encore à... Vous avez enregistré une grosse chute, l'export. On est encore à 15% en deçà de l'année dernière. Donc il y aura peut-être un rattrapage, mais ça a été, c'est une des pistes de progression que nous devons collectivement mettre en œuvre. D'accord. Bon, si je comprends bien, en fait, la crise a donné un peu plus de visibilité à La Réunion, que ce soit dans l'aérien ou le maritime. Je crois qu'apparemment, on est un peu d'accord. Un peu plus de visibilité à l'international. Donc c'est peut-être le côté positif de la crise. Oui, nous avons bien réagi, tous, à savoir que les services de l'État, on parlait du changement d'équipage, hein, les services de l'État ont maintenu des protocoles robustes, nous avons communiqué sur ces points, et pendant une certaine période, en août, septembre, nous étions quasiment avec Colombo et Dar es Salaam, les seuls ports capables, à proximité de l'arc subcontinent indien, Afrique du Sud, les seuls ports à être ouverts pour du changement d'équipage. C'est la raison pour laquelle les Réunionnais ont vu tant de bateaux au large du port. C'était des dizaines et des dizaines de bateaux. On a fait, de mémoire, 13 000 changements d'équipage. C'est-à-dire que notre gare maritime qui a été bloquée, qui n'a pas pu bénéficier du trafic de croisière, hein, qui pour l'instant est en grande difficulté, à shifter sur comme micro-aéroport pour les marins de passage. Et ça, c'est notre réactivité est quand même encourageante sur ce plan-là. Est-ce qu'il va en rester quelque chose ou est-ce que ça sera juste quelque chose de conjoncturel? Nous sommes dans le transbordement, le changement d'équipage, nous sommes sur des trafics extrêmement concurrentiels. Je pense que nos clients se rappelleront des périodes difficiles. Dans les moments les plus durs ou les moments où l'environnement était complètement instable et incertain, La Réunion, la France était présente, la France était performante. Et ça, je pense que c'est un message fort qu'il faut marteler et qu'il... Vous savez, les grandes entreprises raisonnent maintenant par une vision du risque. Savoir que il y a le quotidien et il y a l'aléa qui peut générer des coûts extraordinaires. Et il apparaît que La Réunion au sens large est un atténuateur de risque, en fait. Et ça, c'est un point très important dans notre dialectique collective. Merci, Henri Dupuis. Donc, je voudrais demander à Christophe Debousse, justement, qu'est-ce qui a changé sur la carte mondiale du transport maritime? Alors... Avant de vous répondre, simplement, le maritime est presque par définition un segment d'activité qui connaît des crises périodiques et assez rapprochées. Soit c'est une crise de la capacité, soit une crise de la demande, soit c'est une autre crise qui peut être celle d'augmentation de la soute. Enfin bref, il y a en permanence des crises, un peu comme les marins traversent la tempête, les compagnies maritimes aussi traversent des crises. Alors, donc ceci étant dit, ce que nous avons traversé, puisqu'au fond c'est un peu ça, c'est bien sûr différentes crises qui se sont concentrées en un même moment. À savoir que, par exemple, au 1er janvier, il y avait la mise en place d'une nouvelle réglementation sur le taux de soufre dans les soutes. Et comme La Réunion n'avait pas, par exemple, de carburant adapté en tout cas à ce qui était la demande, nous avons subi une augmentation de 100% du prix de soute. Le prix de marché était à l'époque de 453 $ la tonne et on a dû passer quasiment à presque 1 000 $ la tonne à un moment donné. Donc première crise au 1er janvier. La deuxième crise, et bien sûr, c'est le Covid. On n'a pas vu tout de suite les volumes chuter. Je dirais qu'on a vu effectivement les volumes baisser, mais comme il y avait, et notamment une autre crise qui était celle de la réglementation portuaire, non pas quoi que ce soit s'agissant de nos amis de La Réunion, mais simplement c'est que du coup, les instances ont pris peur et ont bloqué l'accès au bateau pendant 14 jours en attendant que les accès, que la question se règle. Du coup, quand vous avez un bateau qui vous coûte 6 000 $ jour,
et qu'on vous dit 14 jours, vous devez attendre et vous ne pouvez pas faire autrement, vous imaginez bien que ça vient poser, ça vient interroger un peu le modèle économique. Donc toutes ces décisions, alors je ne vais pas être polémique bien sûr, mais un peu erratiques à un moment donné, ont un impact. Et ont un impact, et je crois qu'il serait important, effectivement, que si demain crise existe, qu'il y ait plus de concertation. Ceci étant dit, il n'y a rien de polémique à nouveau dans ce que je dis, simplement, ça nécessite de revoir les choses différemment. Alors bien sûr, comme on dit, toute crise a un avantage. L'avantage, c'est de montrer une résilience, c'est d'être capable de rebondir. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien que, c'est un point que j'aborderai tout à l'heure, mais l'une des grandes conséquences du Covid, c'est la régionalisation émergente des échanges, et je pense que c'est là très intéressant pour notre région. C'est une piste de développement majeure, et en tout cas, s'il y avait à retenir quelque chose du Covid, en tout cas, on peut bien sûr malheureusement constater les dégâts, mais on doit surtout nous mobiliser maintenant pour garder le futur avec confiance, détermination et régionalisation. D'accord, oui, justement, on y reviendra. Je voulais bien, justement, on a l'impression qu'il y a un ralentissement de la mondialisation des échanges à l'échelle mondiale qui pourrait favoriser la régionalisation, c'est-à-dire des échanges dans des ensembles un peu plus petits. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que la mondialisation est finie, loin de là. Par contre, elle se réorganise différemment. Il suffit de regarder, je vous donne un exemple, le Transpacifique. Le Transpacifique, aujourd'hui, vous avez à l'écran quelque chose de très intéressant, c'est en fait, vous voyez, à travers ces boucles violettes, au fond, ce qui structure aujourd'hui l'économie monde. C'est en fait de l'Est-Ouest, principalement, et puis du transversal, qui bien sûr réunit par exemple l'Asie à l'Afrique, l'Afrique aux États-Unis. Bref, je dirais des liens qui sont structurants. C'est un peu comme des autoroutes par rapport à des nationales. Ce que fait apparaître la mondialisation, en tout cas cette crise et la mondialisation, c'est que la rupture des chaînes d'approvisionnement a été réelle. Et que parce que interruption d'activité a posé problème, qui du coup elle invite à repenser le modèle différemment. Et je pense que demain, quand je dis demain, c'est assez rapidement, je pense, c'est un phénomène qui va être assez rapide. Des grandes plaques qui fonctionnaient vont travailler beaucoup plus. Je pense à l'Asie par exemple. L'Asie va vraiment continuer à se développer sur une plaque régionale. Les Caraïbes, avec les États-Unis et l'Amérique du Sud, vont aussi devenir un vrai pivot. Il y a notre région, l'océan Indien, qui a tout pour devenir une plaque régionale forte, à la fois bordée bien sûr par l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et là, vous avez à l'écran aussi quelque chose d'intéressant, c'est de voir ce que sont les flux, notamment, et là c'est une image qui a été une copie d'écran sur un site référent sur la fréquentation des mers du monde. Et vous avez donc en rouge les tankers, vous avez en vert les porte-conteneurs et vous avez dans une autre couleur les bateaux de pêche. Et bien quand on regarde cette logique, nous sommes traversés par une ligne majeure qui est bien sûr entre l'Asie et l'Afrique, mais l'Afrique aussi borde sur le canal du Mozambique vers le Moyen-Orient, et bien entendu l'un des points structurants aussi de l'Est-Ouest qui est bien entendu lié à ces pays à la fois asiatiques, sous-continent indien et Middle East, qui du coup nous présente et nous situe dans un coin du monde qui est fantastique, qui offre beaucoup, beaucoup d'avantages et beaucoup de points d'échange. Et je pense qu'il y a deux manières de regarder cette région. Il y a notre région proche, Madagascar, Mayotte, Comores, et par extension l'Afrique de l'Est, Mozambique, et pour monter un peu Kenya. Mais n'oublions pas qu'au nord, nous avons de formidables zones d'exportation, d'importation c'est évident, mais disons avec lesquelles on peut travailler demain. Et je pense que notre horizon, il est là. Si on sait s'organiser et si on sait travailler ensemble, je pense qu'on ne sera plus simplement un territoire traversé, mais un territoire qui devient un territoire d'échange dans lequel, effectivement, tous les territoires de l'océan Indien et la région en particulier peuvent vraiment jouer un rôle demain.
Justement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à un acteur économique de La Réunion, en particulier un exportateur? Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles opportunités? Alors, j'allais dire, ayez confiance. Ayez confiance dans l'avenir. Bien sûr que c'est compliqué de l'entendre quand on nous prévoit peut-être un nouveau confinement ou des activités qui sont en parenthèse. Pour autant, l'avenir est celui qu'on veut construire. Et je pense qu'il va de soi que tous les acteurs exportateurs qui ont des bons produits, des produits aux normes, des produits qui sont connus pour la qualité, ont une place évidemment dans cette région. Et pas simplement dans cette région immédiate, mais comme je l'ai dit, aussi dans une périphérie bien plus importante. Donc j'ai envie de leur dire que c'est pas chacun dans son coin, les uns contre les autres, ou les uns séparés des autres, qu'on va avancer. C'est en étant ensemble, en partageant nos feuilles de route, nos objectifs, que demain on va faire apparaître probablement à la fois des besoins d'un côté et à la fois des réponses collaboratives, participatives ensemble. Et je pense que c'est bien là tout le sens de l'histoire. Si on est capable, exportateurs, je pense à la dire par exemple, les industriels, de pouvoir travailler ensemble sur un vrai plan offensif d'exportation, de conquête de nouveaux marchés grâce aux moyens qu'on pourrait mettre en place ensemble avec nos amis de l'aérien et nous, acteurs du maritime, je pense qu'on sera beaucoup plus fort parce qu'on a la force en plus, c'est effectivement des produits européens, des produits de qualité, des produits qui plaisent et qui intéressent. Par exemple, si je veux vendre des ananas à Singapour, je peux aujourd'hui exporter mes ananas à Singapour? Alors oui, bien sûr, évidemment. Bon, par voie maritime, ce n'est pas mon scope, mais en tout cas, bien entendu que oui, et on doit. Non, parce qu'il paraît qu'ils se vendent beaucoup plus cher qu'en France métropolitaine. C'est une logique de marché qui m'échappe, si on peut dire. N'ayons surtout pas peur de la concurrence. Au contraire, elle vient nous apporter plutôt des éléments favorables dans notre dynamisme régional. Pour cet exemple de l'exportation des ananas Victoria, bon, le meilleur ananas du monde, comme chacun sait, je demanderai à Jean-Marc Gradini nous dire, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'organiser l'export sur Singapour en faisant appel à Air Austral? Oui, bien sûr, on peut très bien... Nous, on a un réseau, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, et notamment, on a une ligne sur Bangkok. Bangkok est un hub excellent, parce que vous rejoignez n'importe quel point d'Asie à partir de Bangkok. En plus, on a un aéroport qui est ouvert tout le temps, toute la nuit. Mmh. On a quand même des grosses capacités, puisqu'on opère des gros porteurs sur Bangkok. Donc, vous mettez 12, 15 tonnes de fret. Et une fois à Bangkok, il n'y a aucun problème pour relier Singapour. Du Bangkok direct. Bangkok, Réunion Bangkok, Bangkok Singapour. Mmh. Tout est possible. Tout est envisageable. D'accord. Franchement, il n'y a pas de limite à aller d'un point A à un point B. Alors, le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas aller de la Réunion à Singapour en vol direct aujourd'hui. Mais vous n'avez pas toujours besoin d'un vol direct. Il y a des correspondances qui se font très très bien. Moi je le vois, on a par exemple du trafic de produits périssables au-delà des fruits et légumes, hein. Du poisson qui ne va pas forcément à Paris, qui va autre part. On a même fait du poisson sur le Japon via Bangkok avec des exportateurs réunionnais. Ça se passait très très bien. Et effectivement, les prix de vente au Japon du poisson pêché au large de la Réunion, procurer, j'imagine, des marges très intéressantes aux exportateurs de poissons. Il semble que la légine est principalement exportée au Japon, non? Par exemple. Donc, on parle de la Réunion, donc. Voilà. Donc, je crois qu'on a des atouts. On en parlera tout à l'heure si je dois développer un peu le réseau que nous avons, mais il y a des opportunités. Et j'ajouterai qu'aujourd'hui, il y a un domaine que l'on n'a pas du tout exploré encore, mais ça ne saurait tarder, c'est cette synergie qui peut exister entre le maritime et l'aérien, mais je ne voudrais pas anticiper sur
le leadership de ce webinaire, dont je te laisse la responsabilité. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la régionalisation. La régionalisation, ça veut dire aussi coopération régionale. Et donc, on voit qu'il y a une coopération quand même assez intéressante entre les ports de l'océan Indien. Et donc, je demanderais à Henri Dupuis de nous en dire quelques mots, parce que je crois que vous êtes très impliqué dans cette association des ports de l'océan Indien. Oui, en effet. Donc, j'ai le plaisir d'être secrétaire adjoint de l'Association des ports des îles de l'océan Indien, qui regroupe Port-Louis, Tamatave, Fort Dauphin, Longoni à Mayotte, l'autorité portuaire des Comores et Victoria aux Seychelles. Nous agissons de concert sur plusieurs programmes, alors principalement sur des actions de formation des personnels portuaires. Ce n'est pas très le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de plaisir à en parler. Et nous avons un programme commun de développement de la croisière, alors qui a été fortement affecté par le Covid, mais il se fait que, alors, c'est un programme que nous menons en coopération avec les îles Vanille, et il se fait que l'étude a eu lieu pendant la phase de Covid, et nous sommes en train de bâtir une stratégie post-Covid pour la croisière qui va être tout à fait intéressante, et une stratégie concertée qui aura également un relais aérien, parce que comme vous le savez, dans la croisière, on transporte des gens pour qu'ils aient des expériences. Alors, nous faisons tout pour réfléchir à une stratégie d'expérience sécurisée. Est-ce que cette coopération entre les ports va aider, va faciliter les échanges économiques? Oui, alors, pour ce qui est de la marchandise, nous sommes en concurrence sur beaucoup de marchés, et en particulier sur le transbordement. Mais nous avons fait le constat commun que la vraie compétition et l'image qu'a montré Christophe sur le transport maritime montrait qu'il y a en fait une énorme artère est-ouest qui irrigue le monde et que ce sont des hubs géants qui sont au subcontinent indien ou en golfe persique qui jusqu'à maintenant irriguaient les pays du sud. On parlait de trafic nord-sud. Et la nouvelle norme maintenant tente à imaginer des lignes directes entre l'Asie et l'Amérique du Sud et l'Afrique, l'Europe et l'Australie, le subcontinent indien et l'Afrique, sans passer par ces artères. Et dans cette nouvelle logique mondiale, de nouveaux hubs en émergence, dont font partie La Réunion, Maurice, très certainement un jour Tamatave, nous nous sommes bien placés. Et cette logique, en fait, il va s'instaurer une compétition entre les ports du Sud et les grands hubs du Nord. Et nos vrais compétiteurs, c'est Colombo, c'est Jebel Ali à Dubaï, c'est Salalah. Voilà. Et en fait, la nouvelle norme sera de cette dimension-là. Mais la Réunion est déjà un hub de transbordement, je crois, avec CMA-CGM qui en a fait son hub. Tout à fait. Donc, CMA-CGM a été le premier à imaginer la Réunion comme MSC l'avait fait pour Maurice. De ce fait, la Réunion en a bénéficié dans le sens où ce qu'on appelle sa connectivité maritime s'en est renforcée. Alors, la connectivité maritime, c'est l'aptitude d'un port à être relié en direct avec ses sources d'approvisionnement ou ses clients. Et le principe du hub fait qu'en fait, des bateaux de grande capacité escalent à notre port du fait de la taille de nos outillages et de nos bassins. Nous pouvons accueillir maintenant des bateaux de 10 000 EVP. J'entends parler de stratégie pour 10 500 EVP. Ce sont des choses qui sont des bateaux de plus de 300 mètres de long. Ce sont des choses qui sont colossales. Ce système de transbordement nous permet d'être connectés aux principaux ports mondiaux et de pouvoir éclater ou de rediriger la marchandise à partir de la Réunion. C'est un petit peu ce que fait Maurice, c'est ce que fait également Durban. Et grosso modo, la partie sud de l'océan Indien est en train de se réveiller avec ce nouvel ordre mondial. Est-ce que les exportateurs peuvent en profiter Alors, actuellement, partiellement. Il faut reconnaître quand même que notre connectivité maritime est performante à l'import. Ça veut dire que nous sommes à 15 jours d'Europe, mais l'Europe n'est pas à 15 jours de la Réunion, par exemple, par la mer. Nous sommes à 8 jours de Singapour, l'Europe n'est pas à 8 jours de la Réunion. Par contre, le Mozambique, Maputo, est à 5 jours de mer.
Tamatave est à 2 jours et demi, 3 jours de mer selon les cas. Maurice est à 1 jour. Les Seychelles sont à 8 jours de mer. Donc en fait, cette connectivité maritime a induit des opportunités de massification d'export pour nos exportateurs. Alors ça veut dire que ce n'est pas, on ne cible pas là des produits périssables à haute valeur ajoutée, mais peut-être une frange de produits intermédiaires qui se satisferont de volumes plus grands et d'une durabilité. C'est-à-dire, je pense aux ananas. Je pense que peut-être que Singapour, par un transbordement par Maurice, on y est en à peu près une douzaine de jours, mais Jebel Ali, ça veut dire Dubaï, est à un peu plus de 8 jours. Donc il y a une clientèle capable d'acheter nos produits aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc je veux dire qu'il y a des opportunités, et l'enjeu du port, et on en reparlera plus tard, c'est que nos exportateurs s'approprient cette connectivité maritime. On a l'impression que les opérateurs économiques ne sont pas toujours bien informés, enfin les petites entreprises ne sont pas toujours bien informés des potentialités. Alors ça sera le défi, et c'est l'enjeu du projet stratégique actuel. C'est-à-dire qu'on nous sommes rendus compte que nos clients, je veux dire les exportateurs, bien que extrêmement performants dans leur process, dans leur connaissance du produit, dans le packaging, ont une connaissance très imparfaite de leur environnement logistique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un vrai champ de progression sur lequel nous devons, nous, travailler avec eux par une prise de conscience comme ce webinaire au jour d'aujourd'hui, ou par d'autres sujets de type aménagement logistique, on va en parler après. Merci beaucoup. Je voudrais demander à Willy Etève, donc les capacités de l'aéroport en fret aérien, et savoir aussi qu'il nous précise aussi combien représente le fret aérien par rapport au maritime. Je crois que c'est de l'ordre de 20 à 80%, 20% aérien, 80% maritime, je ne sais pas. Il va me contredire ou me confirmer. Je dirais quand même beaucoup plus sur la partie maritime, qui ont des capacités de stockage et de transport qui sont quand même bien élevées. Nous, on a un magasin fret qui est en capacité de traiter 40 000 tonnes à l'année. 40 000 tonnes, c'est ce que Grand Port Maritime fait en quelques jours ou quelques semaines. Le rapport, ça serait beaucoup plus que 80. Oui, je n'ai pas le rapport, mais je pense que ce serait assez indécent de le dire ici. C'est très marginal, finalement, le fret aérien, pour l'instant. Le fret aérien est assez marginal, même si on est positionné sur une certaine typologie de produits. Effectivement, on parlait des produits frais, de l'ananas, par exemple. Les 40 000 tonnes, c'est la capacité maximale de traitement qu'on a aujourd'hui, avec des projets d'agrandissement qui sont en cours pour les prochaines années. Au final, on arrive à peine aux 30 000 tonnes aujourd'hui. Et sur ces 30 000 tonnes, seuls 30% sont du tonnage à l'export. Donc ça veut dire qu'on est entre 9 000 et 10 000 tonnes à l'export. Et c'est sur ces 9-10 000 tonnes, ce sont essentiellement des produits alimentaires. Donc une grande partie, bien évidemment, les fruits. L'ananas et les litchis en période de fin d'année, qui représentent à peu près 60% du tonnage à l'export. Et avec une saisonnalité, comme le disait Jean-Marc Grazini tout à l'heure, qui est extrêmement importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez sur une année 3 mois de très haute activité avec un encombrement très important entre novembre et janvier, l'aéroport qui gère le fret, l'infrastructure du fret, se doit de donner satisfaction aux exportateurs. La Réunion est bien positionnée effectivement avec l'ananas Victoria, considéré comme le meilleur au monde, mais il ne pourra le rester que si le produit qu'on livre reste en parfait état à son arrivée. D'où l'intérêt et l'importance de la fretter par voie aérienne, avec la possibilité éventuellement de penser au maritime. Et le stockage, les chambres froides sont un élément déterminant. Quand vous allez envoyer des litchis qui commencent cette semaine jusqu'au mois de janvier, il est hors de question que le litchi prenne un coup de chaud parce que les chambres froides n'ont pas les capacités de stockage. Donc l'aéroport met à disposition des chambres froides, mais on le sent aujourd'hui, la professionnalisation des agriculteurs, des acteurs exportateurs fruitiers, fait que nos capacités de stockage aujourd'hui sont devenues limitées. Et on travaille avec notamment la Rifel sur un doublement, voire un triplement des capacités de traitement de ces produits ultra frais et donc forcément à très forte valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a des demandes pour des nouvelles routes aériennes en fret? Les demandes, il y en a. Moi, je dirais plutôt c'est la structuration, parce qu'on doit parler de diversité des produits et de quantité.
Quand vous allez vous adresser à l'Afrique du Sud ou aux pays du Golfe, par exemple, ils ne vont pas traiter avec vous pour avoir 200 ou 300 tonnes d'ananas ou de litchi. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de tonnes. La question à se poser, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité, sur certaines périodes et certains produits, à donner satisfaction? Je dirais que sur l'ananas, oui. On est structuré aujourd'hui. Il y a les quantités, il y a la professionnalisation des acteurs et toute la chaîne logistique qui est en place. Sur d'autres produits, il manque encore un peu de maturité et de construction. Et on est sur une activité qui est très saisonnière. Encore une fois, les litchis, bien évidemment, intéressent beaucoup de monde. Mais est-ce qu'on a les capacités d'envoi et est-ce qu'on a le traitement à La Réunion qui permet de délivrer aux Sud-Africains, aux pays du Golfe ou ailleurs un tonnage très important? Aujourd'hui, c'est encore limité. D'accord. Jean-Marc Grazini, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur les routes aériennes, la demande, l'évolution de la demande éventuellement? Écoutez, je crois que... ce sont les flux et donc les besoins économiques qui s'expriment, qui dicteront à un moment ou à un autre les routes aériennes. Vous savez, nous, notre métier, c'est de servir l'économie. Nous, on, et si la demande ne s'exerce pas, et ben, on le voit avec la baisse du trafic qui a lieu en ce moment à cause de la mise en place des motifs impérieux, par exemple. D'accord. On ne peut servir qu'un besoin économique. Et quand il ne s'exprime pas, ben on ne le dessert pas, parce qu'on ne va pas voler à vide, en gros. Donc, aujourd'hui, les capacités que nous avons en ligne sont suffisantes. Pourquoi? Tout simplement parce que notre métier, c'est d'accompagner cette demande. Alors, il peut y avoir, comme l'a souligné Willy-Étève, des moments où il y a des très fortes saisonnalités et où là, il est très difficile de répondre à une demande qui demande un doublement des capacités, par exemple. C'est quasiment infaisable. D'accord. Donc, il faut aussi lisser tout ça. Donc, il y a une éducation du marché qui est importante à faire. Et je parle des marchés réceptifs qui vont absorber la demande d'ananas, de litchi, pour faire en sorte qu'on ne consomme pas simplement pendant un mois 90% de la production. C'est juste infaisable. D'accord. Donc, et tout ça prend du temps à se mettre en place. Et donc, ça prendra du temps à se mettre en place. Je dis une bêtise, si demain, il y avait un besoin qui s'exprimait entre La Réunion et Moscou, par exemple, la Russie. Une bêtise, hein, mais juste à titre d'exemple, il est clair qu'on ne va pas mettre une ligne Réunion-Moscou, il y aura 10 passagers et peut-être 10 kilos de fret, quoi, en gros. Je caricature, bien sûr, pour l'exemple. Donc voilà un peu nous dans quel dilemme nous sommes. Mais notre métier, c'est d'accompagner cette demande et de coller le plus près possible les capacités aux besoins exprimés. Parce que sur certaines destinations, finalement, les marchés sont assez réduits, comme on parle des Seychelles notamment, où les exportateurs apparemment ont du mal à trouver des capacités, des solutions d'exportation. Alors, je vais essayer de répondre de la manière la plus claire possible. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de capacité fret sur les Seychelles. Je parle hors Covid, hein, bien sûr. Hein, d'accord. Aucun. Il n'y a pas. Donc, il y a eu un moment où il y a eu une tension sur la demande, mais très vite, les exportateurs de La Réunion se sont fait piquer le marché, si je me rappelle bien, par des entreprises turques. Il s'agissait de tomates. Et donc aujourd'hui, les Seychelles importent des tomates de Turquie au lieu qu'elles viennent de La Réunion. Ça, je m'en souviens très bien. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de capacité fret entre La Réunion ou les Seychelles. Je serais très content si j'étais plein dans ce sens-là tout le temps. On est plein dans l'autre sens, hein, puisqu'on importe beaucoup de poissons des Seychelles à La Réunion. Par contre, dans le sens Réunion-Seychelles, nous ne sommes pas pleins. Donc l'avion repart à vide ou à moitié à vide, quoi. À moitié à vide, oui. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a eu d'ailleurs plusieurs missions du Club Export pour essayer de dynamiser les exportations sur les Seychelles, notamment de produits frais, puisqu'ils importent
la majeure partie des besoins en produits frais, notamment pour l'hôtellerie. C'est pas faux d'avoir essayé. Je crois que sur certains produits frais, il y a eu des problèmes sanitaires à l'entrée des Seychelles, me semble-t-il. On dit qu'en anglais, when there is a will, there is a way. Donc, ouais. Quand on veut, on peut. D'accord ? Voilà, j'arrêterai là. D'accord. Et Henri Dupuis, donc, le port de La Réunion, on entend dire que c'est cher. Ah. Est-ce que c'est vrai ou par rapport à d'autres ports ? Par rapport à quoi ? Par rapport à d'autres ports, quoi. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une coopération entre les ports, mais il y a aussi de la concurrence entre les ports. Oui. C'est cher, mais c'est stable. Cela dit, CMA, CGM a retenu La Réunion quand même. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas si cher que ça, non ? Disons qu'on essaie d'être performant malgré peut-être... C'est vrai que les coûts de passage portuaires sont supérieurs à La Réunion par rapport aux autres îles. Mais il faut regarder... Je pense qu'il faut regarder le sujet avec une échelle un peu différente. C'est-à-dire qu'un armateur a des coûts journaliers de fonctionnement qui peuvent égaler, voire dépasser... le coût d'une escale. Ça veut dire que si vous perdez un jour sur une instabilité portuaire ou deux jours, ça vaut ce que vous allez dépenser en frais d'escale. Donc c'est ce parallèle-là qui fait qu'un port, vous savez, le port de Rotterdam est plus cher que les ports français aussi. Donc pourquoi vont-ils à Rotterdam ? Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble de services, c'est une perception, c'est l'armateur... met tous ces sujets-là dans sa matrice de risque et pondère chaque situation et dit je préfère cette situation plutôt qu'une autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne faisons pas d'efforts sur nos tarifs, que nous ne maintenons pas nos recherches de productivité et que nous restons très attentifs aux évolutions des besoins de nos clients. Rien n'est acquis dans ce métier-là, évidemment. Donc en fait, vous compensez des prix qui peuvent paraître un peu élevés par une meilleure productivité. Est-ce que vous avez la meilleure productivité dans la zone ? Est-ce que vous parliez des temps d'escale ? Alors, la productivité est un petit peu un secret qu'on se garde entre nous, malheureusement. Mais oui, nous pensons être dans une situation de productivité meilleure que nos voisins. Et surtout en fiabilité générale d'escale. Ça, c'est un point important. Je prends un cas de figure, par exemple. Port-Aignan est un port qui a une indisponibilité climatique entre 2 et 4 jours par an. C'est quand le cyclone passe au nord que vous ne pouvez pas accoster au Port-Est. Le reste du temps, à tous les coups, vous rentrez au Port-Est et vous pouvez faire accoster votre navire et opérer votre navire. Il n'en est pas de même pour Maurice, qui est sujet à des houles australes sur son terminal conteneur. Il n'en est pas de même pour Durban, qui est un port à marée, ou les ports géants d'Afrique du Sud. Le Cap, c'est 40 jours par an. Le port Elisabeth, c'est presque 50 jours par an. Vous voyez, je veux dire que quand vous faites un calcul de probabilité par rapport à vos coûts journaliers, et bien ce coût invisible de l'instabilité finit par peser. Plus, et il pèse d'autant plus que le bateau est grand. Très bien. Je voudrais donner la parole à Christophe Debousse pour revenir sur cette approche générale, parce que pendant longtemps, on séparait le maritime, l'aérien. Ça fait 20 ans qu'on parle d'un projet de compagnie maritime. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été financées par la COI ou autre, ou même, je crois que l'AFD a récemment financé une étude aussi du côté de Madagascar et de l'archipel des Comores. Et donc, en fait, on n'a jamais vu aboutir de compagnies vraiment. Il y en a eu qui ont disparu. Donc aujourd'hui, vous proposez, vous, une nouvelle approche. D'ailleurs, vous vous appelez Sea Logger, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est à la fois la mer et l'air. Donc une nouvelle approche qui est plus une réponse logistique que la proposition de faire du maritime ou de l'aérien, c'est-à-dire de combiner les deux, l'aérien et le maritime. Oui, effectivement. Alors pour revenir peut-être juste un petit cran avant sur en fait les problématiques du maritime. Jusqu'alors, on parle d'infrastructure. Compagnie aérienne, une ligne aérienne, un port, un aéroport, une compagnie. Je pense qu'on n'existe que parce qu'il y a des clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'infrastructure. Pour autant, bien sûr, on est une île et on a une île sœur, on a un territoire qui est composé de multiples îles. Du coup, comment on traite la question du besoin client dans une question qui est simple, c'est comment être rentable. Si vous n'êtes pas rentable, vous disparaissez. Et je pense qu'il n'y a pas de magie dans notre métier. Ce qui aujourd'hui fait la relation entre deux territoires, ce n'est pas simplement deux ports,
c'est aussi l'existence d'un flux. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est de dire au fond, bien sûr qu'il y a eu plein d'études, bien sûr qu'il y a eu plein d'études dans tous les sens, il y a eu des expériences, il y a eu des tentatives. Mais au fond, parce que je connais bien sûr ce que c'est que le maritime, et je connais bien aussi qui sont les clients de La Réunion, mais aussi de Maurice, de Madagascar ou de Mayotte, on s'est dit au fond comment, et vous avez à l'écran une structure de coût du maritime, quand vous avez effectivement un bateau à payer, vous avez des frais d'escale, vous avez une soute, vous avez des marins, bref, tout un ensemble de charges qui pèsent lourd, très très lourd à la journée, vous devez trouver un mix, une logique économique qui permette justement de pouvoir équilibrer, au moins équilibrer votre compte de résultat, mais au-delà de ça, c'est surtout de faire du profit pour permettre la continuité de l'activité. Dans un contexte, et je le rappelle, c'est pareil pour l'aérien d'ailleurs, où on souhaite passer dans le monde d'après très vite avec des avions à l'hydrogène, des bateaux qui vont plus vite et qui consomment plus rien du tout. Je pense qu'il faut aussi à un moment donné, reposer le cadre, comme on dit, ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable. Nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que on a envie de devenir, c'est comme ça que Silogar se positionne, disons un peu le blabla car du conteneur et des marchandises sur l'ensemble de l'océan Indien, plutôt par la voie maritime évidemment, vous l'avez compris, mais en travaillant de concert avec nos amis de l'aérien, de sorte à ce que on puisse s'inscrire déjà dans une dynamique de rentabilité, de partage et du coup de service à la marchandise et donc du coup aux clients. On a pris exemple, notamment dans le cadre de la Chine, qui se trouve un élément très intéressant. Alors, volume, bien sûr, on n'est plus sur la même échelle, mais simplement l'idée qui compte. C'est qu'au fond, si on veut exporter rapidement au moindre coût, peut-être qu'il y a une logique de rassemblement de marchandises à différents endroits du territoire, une consolidation, c'est le mot exact, et que cette consolidation peut très bien conduire d'ailleurs à une transformation de la marchandise sur le territoire. Et je crois que résumer la desserte aérienne ou résumer notre activité comme étant simplement transporter des boîtes, si c'est simplement faire du transbordement, je suis désolé de le dire aussi brutalement, ça ne sert à rien pour un territoire. Ce qui va être intéressant, c'est de créer de la valeur sur la marchandise qui passe sur le territoire. Et si on est capable de créer de la valeur sur la marchandise qui passe sur le territoire, on devient plus fort, on devient aussi plus conquérant, parce qu'on a une dynamique collective autour de cette approche-là. Zone franche ou pas zone franche, ce n'est pas le débat, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a vraiment besoin de se poser la question là-dessus. En tout cas, le propos est de dire... Si on prend l'exemple de ce que la Chine et n'importe quel autre territoire montre, ça nécessite qu'il faille revoir le modèle. Et donc on s'est dit, au fond, pourquoi ne pas imaginer, je disais, le blablacar du maritime, c'est en fait proposer aux compagnies maritimes existantes une sorte de feeder régional, un service de feeder régionaux qui permettent effectivement de travailler sur l'ensemble de la zone, de mutualiser les coûts. Vous avez vu que les coûts étaient importants. Si on les mutualise, surtout en période de crise, ça permet aux compagnies de faire des économies. Et quand je vois des bateaux en rade qui, selon les optimistes, à moitié plein ou les pessimistes, à moitié vide, du coup, ça a quoi faire réfléchir. Et dans ce monde incertain, de ce monde où tous les acteurs cherchent des économies, je tends la main. Je tends la main en disant chiche. Et si on travaillait ensemble plutôt que se regarder en disant oui, mais moi, c'est mon bateau, c'est plus la logique. La logique, elle est dans le partage. Donc c'est là, en tout cas, notre élément de conviction fort. Et du coup, c'est ce qu'on a tenté, dans la première période de nos activités entre novembre 2019 et mai 2019. On a transporté quand même 42 000 tonnes à travers à peu près 2 800 containers. Pour une start-up qui part de zéro, je trouve que c'est pas mal. Il fallait oser, on a osé, et maintenant, du coup, on est là pour proposer quelque chose au marché. Mais peut-être, Alain, c'est peut-être un peu plus tard. Je crois que vous proposez des mini-containers, en fait, compatibles à la fois pour l'aérien et pour le maritime. C'est ça. En fait, notre idée, c'est au fond dire que, et je veux bien d'ailleurs une image le présentant, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à la marchandise, et on s'intéresse aussi à la quantité de marchandises qui bouge.
Et la question de la marchandise qui passe, effectivement, vous l'avez à l'écran, c'est en fait de dire au fond, il existe du groupage aujourd'hui, bien sûr, mais ce groupage, malheureusement, se heurte à des considérations qui sont tout simplement d'avoir, est-ce que pour qu'un conteneur parte, il faut qu'il soit plein. Or, si vous avez 10 clients différents et que le conteneur est à moitié, peut-être qu'il ne part pas. Là, l'idée, c'est de dire qu'au fond, et si on avait une approche collaborative à nouveau de la question du transport de marchandises de petite quantité, et qui en plus pourrait prendre l'avion. C'est là la grande idée, c'est là la big picture, pour prendre l'image, le mot en anglais. Du coup, ça invite du coup à se dire, eh bien voilà, si on prend un équipement intermodal qui peut à la fois voyager par avion et aussi voyager par la voie maritime dans des conteneurs maritimes, eh bien peut-être que là, on peut créer des opportunités nouvelles pour des exportateurs de petites quantités, mais qui, réunis dans une seule et même boîte, vont pouvoir effectivement demain prendre à la fois le maritime et l'avion. C'est là l'idée principale. Et donc Siloguer, quand j'ai créé Siloguer l'année dernière, c'était bien cette idée qu'au fond, on puisse réunir la mer et l'air autour d'une question logistique centrale, et vous voyez bien que le nom est évidemment choisi à dessein. C'est que la logistique est le point qui nous réunit. Et la logistique, elle est au service de quoi ? Pas au service du transport, elle est au service du client. Donc si on est capable d'apporter au client un service bout en bout avec une logique qui soit participative, collaborative avec les transitaires, avec les chargeurs, avec les opérateurs logistiques et du coup du transport proprement dit, je pense qu'on a une solution gagnante qui permet à n'importe quel acteur d'être efficace, rapide et surtout de ne pas immobiliser du temps et de l'argent pour pouvoir se dire est-ce que je vais faire l'export ou pas. S'il y a un client, il faut trouver une solution. C'est un peu celle qu'on propose. Et je terminerai sur l'idée qu'au fond, notre idée, c'est aussi, bien sûr, d'aborder les questions du maritime telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire, bien sûr, travailler sur la question de la propulsion. Aujourd'hui, on a beaucoup de scénarios qui se présentent sous nos yeux, des bateaux à voile, des bateaux à biocarburant, des bateaux qui sont au gaz, enfin bref, sous toute forme de propulsion. Bien sûr qu'on s'y intéresse de très près, et on s'intéresse aussi à la question du digital, dont on parlera peut-être après. Je vois qu'à l'écran, effectivement, il y a quelque chose qui présente ce que j'indiquais, c'est qu'au fond, l'idée est là, que nous avançons, c'est qu'on doit pouvoir trouver une architecture de desserte sur la zone, alors vous avez en vert, en rouge, bleu et orange des lignes maritimes, et qui s'interconnectent à travers deux hubs aériens, l'un sur La Réunion, l'autre sur Mayotte, et qui permettent effectivement de pouvoir faire transiter ces mini-box à la fois du maritime vers l'aérien, et pourquoi pas réciproquement aussi. Et c'est là l'architecture qui va nous permettre, en tout cas, c'est une proposition, bien entendu, mais en tout cas, c'est ce qui nous inspire aujourd'hui chez Siloguer. Dire au fond, et si on faisait voyager le kilo de marchandises de la même manière qu'on le fait voyager par avion, mais par la voie maritime, dans une combinaison de cette astuce, enfin sous cette forme de cette astuce, si je peux employer le mot. Voilà. Et le bateau, c'est prévu pour quand, votre bateau ? Alors le bateau, il est prévu en 2021, effectivement. Donc on est en phase actuellement de négociation sur un achat. On espère effectivement finaliser tout ceci début de l'année 2021. Merci beaucoup. Mais ce que je veux dire, pardon, si je peux me permettre, c'est pas nécessairement le bateau qui fait l'originalité. C'est qu'on peut très bien voyager aussi sur d'autres supports et d'autres compagnies. Ce qui compte, c'est effectivement qu'on puisse apporter un service aux clients. Et peu importe, j'irais, sa forme, peu importe son j'irais, qu'il vole ou qu'il navigue, c'est qu'il puisse répondre aux besoins clients, et c'est là notre préoccupation. Enfin, l'avantage, c'est que c'est un petit bateau avec des grues, donc adapté à tous les ports de la zone. Évidemment, pour pouvoir naviguer dans la zone, il faut avoir un bateau adapté, et un bateau adapté, c'est un bateau qui passe partout, presque. Si on veut travailler sur des ports plus petits, avec des chefs qui rendent d'eau, effectivement, vous ne pouvez pas transporter 300, 500 ou 600 boîtes dans des ports de cette nature. Vous êtes obligé de travailler avec des bateaux plus petits. C'est là où se pose toute la question du maillage du territoire avec des outils adaptés. Mais de toute façon, il faut que les bateaux soient gréés. Il faut qu'ils soient plutôt de faible capacité parce que le marché n'est plus gigantesque. Il faut qu'ils soient en rapport d'une exploitation qui soit rentable et qui soit aussi économique. Donc ça, c'est un cocktail, c'est un peu comme dans le domaine aérien, il faut trouver le bon avion, nous, il faut trouver le bon bateau. On peut finir la route par de l'aérien dans ces cas-là, si le port est inaccessible ?
Pourquoi pas, ça dépend du port, ça dépend du territoire, mais des combinaisons sont tout à fait possibles. Il faut simplement être créatif et surtout regarder à la fin la dernière ligne, est-ce que c'est rentable ou pas. Voilà. Mm-hmm. Mais on ne peut pas imaginer, je termine, c'est mon propos de conclusion, en tout cas sur l'intervention là maintenant, c'est de dire que ne rêvons pas. L'aérien comme le maritime, ça impose à ce qu'il y ait du flux, qu'il y ait de la quantité. S'il n'y a pas de quantité, il ne peut pas y avoir de baguette magique pour transformer ce qui est déficitaire en quelque chose de bénéficiaire. Et si on veut vraiment développer la zone, bah dans ce cas-là, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Mais il ne faut pas rêver. On ne peut pas mettre une ligne maritime simplement sur le Mozambique en régulier si on n'a que 20 boîtes par bateau. Voilà. C'est un peu comme dans le tourisme aussi, quoi. On ouvre des lignes aériennes sans avoir des touristes. C'est une économie de capacité. Voilà, et elle est liée à des coûts et à aussi à un chiffre d'affaires qu'il faut générer. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'un sans l'autre. Très bien, merci beaucoup. Et Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc cette combinaison, collaboration entre le maritime et l'aérien, c'est faisable? C'est même utile? Tout d'abord, nous, à chaque fois qu'on entend la main, on cède à la violence. Hein. Je veux dire par là que, évidemment... Évidemment que c'est un projet sur lequel, d'ailleurs je vais m'investir personnellement, parce que ça m'intéresse, déjà à titre personnel, mais à titre purement professionnel, ça a du sens. C'est ni plus ni moins qu'un retour au concept de l'intermodalité, qu'on a oublié, qui était très, très à la mode il y a 20 ans, pour ceux qui ont à peu près mon âge, d'accord, et qui a un peu... Il est tombé en désuétude, mais c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, c'est du bon sens. Voilà. Et souvent, les bonnes solutions économiques sont des solutions de bon sens. Et évidemment qu'il y a une complémentarité qui, à moi, me paraît évidente entre le maritime et l'aérien. Alors, si il y a les flux, bien sûr, si il y a la volonté de coopérer, si, évidemment, d'accord. Mais c'est toujours comme ça, le business et les projets, les business cases, quoi. Hein, il faut qu'il y ait une volonté. S'il n'y a pas de volonté, bon, ben voilà, on décide que la personne en face de vous n'est pas intéressante et puis on passe à autre chose. Donc, moi, je considère que c'est une excellente idée. Elle a du sens en plus par rapport à la taille des flux dans la zone. On n'est pas sur des flux énormes comme ils peuvent exister entre l'Asie et les États-Unis. Alors là, on est sur des dizaines de millions de boîtes, pour employer un terme du maritime. Mais voilà, on est sur des trafics de niche, d'accord, qui demandent à être complétés. Donc il faut l'outil adapté, un peu comme on fait nous entre le réseau régional et le réseau long courrier. On ne va pas prendre les mêmes types avions. On voit bien, il faut des outils adaptés à des flux de trafic identifiés pour pouvoir essayer d'avoir une activité qui soit économiquement pérenne et rentable. Justement, en tant qu'administrateur du Club Espoir, cette fois Jean-Marc, je vous interrogerai en tant qu'administrateur du Club Espoir en fait. Bien sûr. On a parlé d'exportateurs qui travaillent un peu chacun de leur côté en fait, et on parlait de mutualiser, d'arriver à regrouper ces exportateurs. Est-ce que le Club Espoir sera en mesure d'organiser ou de faciliter ça? Ah. Le Club Espoir doit favoriser la réflexion. Il doit être initiateur dans l'éclosion des volontés. Je ne pense pas que le Club Espoir doit être maître d'œuvre. Ce n'est pas notre métier à nous. Mais il y a des gens qui savent faire ça très bien. Encore une fois, on est ni plus ni moins, c'est marrant, mais au moins j'aurai une logique dans mon discours. Le concept du groupage, d'accord, est un concept qui existait dans l'aérien avec les gros chargeurs, UTA par exemple, sur l'Afrique notamment, hein, et qui permettait à des gens qui avaient la capacité de fédérer plusieurs exportateurs, de grouper et d'avoir des tarifs plus intéressants, en gros, pour schématiser. Donc bien sûr, il faut... Alors, ça passe par une structuration de la filière
Alors, sous quelle forme? Ça peut être un syndicat, un GIE, une association, j'en sais rien. À voir, d'accord, ce qui est le plus pertinent en termes de gouvernance, afin que les exportateurs puissent se grouper et mutualiser leurs besoins et leurs besoins de capacité. Moi, je pense que je serais transitaire, je l'aurais déjà fait. Hein. Voilà. Mais je ne vais pas faire le métier de mes clients, transitaire étant mes clients. Voilà. Mais je serai transitaire, je l'aurais déjà fait. Alors, bien sûr, au départ, ça va être petit. Vous savez, les bonnes idées, après, ça se développe, quoi. Je pense qu'il doit y avoir des besoins alors, sur l'île Maurice, sur Seychelles. C'est un bon exemple. A priori, il y en a, donc allons-y. Il y a de libre encore, il y a de la place. Oui, Madagascar, l'Afrique du Sud, enfin, je ne sais pas. À voir, je parle du réseau régional. Peut-être sur la Thaïlande. On l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'être sur un territoire qui fait partie de la France et donc qui obéit aux normes européennes. C'est un atout énorme. C'est-à-dire c'est une garantie que nos produits sont fabriqués selon des normes, des standards en termes de sécurité, etc. Ça a une certaine valeur. Juste un point, et j'arrête après. Je reviens sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de transbordement, mais de création de valeur. Ça, c'est très important. Encore une fois, et je serai hyper logique, vous allez voir, un concept vieux de 20 ans qui est le CKD, Knockdown Components. D'accord ? KCD. Les Italiens étaient très forts là-dedans, vous avez du Made in Italy partout, mais tout arrive de Singapour, d'Asie, etc. Ils assemblent Made in Italy et ça repart. D'accord ? Donc c'est de la transformation. Si, dans le futur, on pouvait faire des choses de ce genre-là à La Réunion, c'est de la création de valeur. Ça, c'est très important. Et ça, c'est autrement enrichissant pour le territoire, cette fois-ci, que simplement faire du transbordement. Je me tourne vers Henri Dupuis. Est-ce qu'au Grand Port Maritime de La Réunion, vous proposez des espaces où on pourrait faire de la valorisation, du conditionnement, de la transformation de produits? Jean-Marc Grazini m'a ouvert la porte à un des volets importants du projet stratégique de Port Réunion. C'est la mise en valeur de ce que nous appelons la zone aria portuaire. Donc c'est un des slides qui va bientôt apparaître sur l'écran. Alors, c'est vrai que nous sommes des gestionnaires d'infrastructures, mais un port ne se résume pas à ses quais, à ses grues, à ses terre-pleins. C'est avant tout le vecteur de développement de ce qu'on appelle un complexe industriel au portuaire. Et vous, pour ceux qui ont vu l'étude de l'INSEE, le complexe industriel au portuaire de Port-Réunion, c'est quand on cumule les chiffres d'affaires des entreprises qui s'y trouvent, plus de 440 entreprises qui s'y trouvent et des 4300 employés qui s'y trouvent, c'est quasiment 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 430 millions d'euros de valeur ajoutée économique. Et et vous voyez la grande zone qui est vide en urbanisation est actuellement une carrière. Et en coopération avec le territoire de la côte ouest, le département et la région, et également l'Association du développement industriel de La Réunion, nous sommes en train de bâtir un concept de développement d'une zone portuaire et logistique qui servira à moderniser la logistique du territoire, mais aussi à servir d'infrastructure, de développement d'entrepôts logistiques sur, parce qu'on revient sur la notion de risque, un entrepôt de... Il faut comprendre, par exemple, que les importations de La Réunion, c'est 3 milliards d'euros par an, qui arrivent en conteneur. Bon, 3 milliards d'euros, il y a presque l'équivalent en valeur de transbordement. Pour un exportateur ou un importateur ou un logisticien international
où voulez-vous stocker votre marchandise qui coûte extrêmement cher, dans un pays sûr pendant son transit ou dans un pays à risque. Et ça, c'est quelque part la force, ça sera la force de la Réunion. C'est-à-dire que cette zone industrielle ou portuaire, par la sécurité de territoire qu'offre la France, va pouvoir offrir, au-delà des services logistiques directs et de la performance sur laquelle nous devons nous astreindre également, pourra offrir une capacité, une facilité d'investissement. J'ai toujours tendance à penser que nous sommes, nous, Français, dans notre environnement économique qui est contraint par rapport à nos moyens. Mais nos clients et nos clients de la zone de l'arc-océan Indien ont paradoxalement des moyens bien supérieurs et quelque part sont à la recherche de possibilités d'investissement. Et au jour d'aujourd'hui, l'enjeu du risque est un sujet central. Et nous souhaitons, par le biais de ces projets portuaires, de pouvoir attirer la chalandise pour nos logisticiens et nos prestataires de services. Vous proposez aussi des entrepôts sous douane, je crois, pour... Oui, alors en fait, vous savez, le code des douanes de l'Union permet d'installer des quasi-zones franches partout en France. La contrainte qu'impose le code des douanes de l'Union, c'est elle impose une traçabilité de la marchandise. Alors, grosso modo, la douane veut avoir une supervision en temps réel de où vous stockez et quel est le statut de chacune de vos marchandises. Et à partir du moment où vous pouvez garantir par vos procédures, des procédures résilientes de contrôle, de qualité, qui prouvent que ce que vous dites est suivi des faits et vice-versa, vous avez quasiment des systèmes d'exemption de douane qui valent toutes les zones franches du monde. Et c'est souvent, là aussi, c'est un des aspects importants sur lequel nous allons insister dans le cadre de notre projet stratégique, c'est que la vision digitale de la zone franche est à décorréler quelque part de la zone franche du temps ancien où il y avait un douanier dans une zone clôturée, comme ça se fait encore quelque part dans certaines parties du monde. Au jour d'aujourd'hui, il faut raisonner digital et procédures et sécurité d'information. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'aborder cette question de la digitalisation, mais je suppose évidemment que la crise l'a accéléré, les besoins de digitaliser les opérations douanières et de fret, oui, qui sont déjà fortement digitalisées d'ailleurs. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, alors on se qualifie vis-à-vis de nos collègues extérieurs de smart port. Alors ça veut tout et rien dire, mais il est vrai que nous avons aussi dans notre vision de coopération, nous lançons des actions de coopération avec les Seychelles et le Mozambique sur des échanges d'expériences avec nos ressortissants sur la notion de smart port et puis un autre concept de green port sur toute la façon de gérer environnementalement les infrastructures. C'est une action d'intérêt collectif que nous menons avec nos partenaires, donc Christophe Debout, Cécile Auger en fait partie et j'ai le très grand plaisir de pouvoir travailler avec lui sur ces sujets-là. Et nous formons de grands espoirs pour que, via des dispositifs type Interreg, nous puissions étendre une vision de qualité française dans l'arc-océan Indien. Ce n'est pas une hégémonie, c'est notre façon de nous développer. Nous souhaitons la partager avec nos voisins, quitte à ce qu'il se développe, mais selon des standards et un niveau européen, ce qui homogénéisera et facilitera les échanges dans le futur. Donc, territoire européen de l'océan Indien. Quoi. Exactement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, pour résumer en quelques phrases, on a vu que la crise, finalement, avait aussi des côtés positifs et qu'elle avait notamment donné plus de visibilité à la Réunion à l'international, qu'elle avait ouvert certaines pistes de réflexion, mais aussi d'action, et qu'aujourd'hui, il fallait peut-être avoir une approche globale, une approche logistique, combinant de l'aérien et du maritime, et ne pas rester sur les vieux clivages, donc du multimodulaire, c'est ça, n'est-ce pas? Et aussi qu'on avait un besoin très fort de mutualiser les besoins, puisqu'on a un ensemble d'exportateurs qui ont souvent des petites activités. Donc voilà, je crois que ce webinaire a pu ouvrir certaines pistes intéressantes que nous aurons l'occasion de creuser ultérieurement. Et je vous remercie pour votre participation. Bonne soirée.